Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDark 59 et on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de jeux Mega Drive. Bon, j'en ai vraiment pas mal, je vais peut-être en avoir presque une centaine. Donc avant de vous faire voir les jeux Mega Drive, je vais commencer par les jeux 32X et Mega CD, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, comme ça m'invitera de faire une vidéo 32X et Mega CD. Donc pour la 32X, j'ai Motocross Championship. Bon, c'est une version US, hein, ça c'est un peu con. Et le deuxième, c'est Doom. Voilà, ça c'est mes seuls jeux 32X. Pour les jeux Mega CD, j'en ai 4. Donc qui est Road Avenger, Soulface. Ah, je vais avancer, Soulface. Désolé, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait très beau. Et derrière, il y a Cobra Command. C'est deux jeux dans la même boîte. Et le dernier, c'est Thunderhawk. Voilà, ça c'est mes jeux. J'ai envie de dire Mega CD et 32X. Donc là, on va passer au jeu Mega Drive. J'en ai vraiment pas mal. Je crois que j'en ai même plus d'une centaine. Bon, je les ai pas encore comptés parce que j'ai acquis il y a pas très longtemps pas mal de jeux en plus. Donc c'est pour ça que je vous la fais voir maintenant, parce que je pense que là, j'ai une collection assez bien présentable pour vous faire voir. Donc on est parti. Hein. Bon, normalement, il n'y a pas de double. J'ai bien dit normalement. Donc le premier, James Bond 3. Donc je vais pas vous dire s'ils ont la notice et tout à chaque fois. Bon, il y en a qui ont la notice, il y en a qui ne l'ont pas. Je vais pas épiloguer sans s'étendre sur les notices, parce que comme j'ai beaucoup de jeux, ça va durer trop longtemps sinon. Donc le deuxième, qui est Lotus Turbo Challenge, qui est le premier bien sûr. Après j'ai iSWAT. Après j'ai Last Battle. Donc pour ceux qui savent pas, Last Battle c'est comment il s'appelle, c'est Ken le survivant, hein. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez si vous avez regardé cette vidéo. Donc après j'ai un NBA Live 96, voilà, Zool. Bon, ils sont pas dans l'ordre, hein, parce que voilà, je range jamais mes jeux dans l'ordre parce que c'est trop perte de temps. C'est Grand Slam. Et c'est pas l'émission à France 3, hein. Slam, non, c'est Grand Slam. The Tennis Tournament Grand Slam, ça s'appelle. Alors après, After of Beast. Voilà, très bon jeu ça par contre. J'adorais quand j'étais plus jeune. J'ai jamais réussi à finir tellement que c'est dur. Super Thunder Blade. Ça aussi c'est vraiment un très très bon jeu, ça y en a à dire. J'ai un Batman, donc Batman Retour. Je crois que c'est le seul Batman que j'ai, je crois, sur cette console. Donc après j'ai Space Harrier, qui est pas mal aussi celui-là. Le Mega Game 1 qui comprend 3 jeux, dont Super On, Columns et World Cup 90. J'ai The Ultimate Mortal Kombat 3. Bon, l'étiquette au-dessus elle gâche un peu tout là, mais bon. Donc je pense qu'il faudrait que j'essaye de l'enlever. Après j'ai Clay Fighter, donc c'est avec des personnages, des drôles de personnages, des sortes d'aliens on va dire. C'est pas terrible. Après, donc j'ai Ayrton Senna Super Monaco GP2, ça c'est pas mal non plus. Alien 3, j'ai oublié de vous faire voir mes gens loose, tiens, ça c'est un peu con. Bah je vous les ferai voir après, pas grave. Donc après j'ai, je les ferai voir à la fin, Tasmania. C'est vrai, je suis con. Thunder Force 2. C'est con parce que j'ai pas de 4. Le 4 c'est le mieux, mais bon, ça c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Ça c'est vraiment pourri par contre celui-là. Là, Power Manager. En plus le nom il casse couille à dire. Donc c'est une sorte de gestion de ville, hein. c'est pas terrible. Après j'ai Lotus 2 en version classique. Là, j'aime pas tellement les boîtes là, elles sont pas terribles, hein. Franchement. Les boîtes classiques, Mega Drive. Ouais, que même à l'époque on avait droit aux boîtes classiques. Après j'ai Risky Wood. Ça c'est un jeu d'aventure. Pisez-moi l'aventure. Attendez, hop, je vais le mettre là. Donc après j'ai Echo 2 on va dire, parce que c'est The Tib of Time. Donc les marais du temps. Bon, la boîte est en anglais. Quoi, le titre est en anglais, mais derrière il y a bien la version française. Donc voilà. Hop. Après un incontournable,
Street Fighter 2. J'ai pas le Super, c'est un peu con, parce que Super il est vraiment pas mal. Et là c'est un jeu moise, donc prime à la rage. Je les mets comme ça, parce que comme ça vous avez pas la lumière du jour. Vous voyez, si je mets comme ça, vous voyez plus rien. Donc je vais mettre comme ça, donc prime à la rage. Parce qu'il fait un grand soleil dans le nord. Ce qui est extrêmement rare. Donc après, j'ai NHL 95, NBA Jam. Je vais passer un peu plus vite, parce que sinon ça va durer sans s'étendre. McDonald's Global Gladiator et UX Mutant. Donc ça c'est des jeux que j'ai eu il y a pas très longtemps, je suis très content de les avoir retrouvés. Donc après j'ai le Italia 90 en boîte tout seul. J'ai bien sûr un FIFA 98 avec Ginola. J'ai Mickey Mania. J'ai Dynamite AD qui est pas mal aussi ce jeu là. Hop, on passe là. Donc après j'ai Kickoff European Challenge. Bon, la boîte elle est un peu pétée là, mais bon. Voilà, c'est la seule boîte qui est dégradée, on va dire. Là c'est 688 Subattack, ça c'est nul à chier. Cyborg Justice. Ouais, je vais faire voir comme ça les boîtes. Hein. Hop, très très bien. Bon, je vous mettrai pas les images du jeu parce que sinon je vais mettre sans s'étendre. Et j'ai le James Bond 2. Ça c'est mon frère qui me l'avait donné parce qu'il l'avait en double. Ça c'est très bien de l'avoir récupéré aussi. On continue. Hop, alors on continue. Alors j'ai... Ah putain, petit soleil, laisse tomber. Donc j'ai X-Men, voilà. La boîte elle est vraiment très belle, celle-là, rien à dire. Bon, par contre le jeu, après il est pas très séduisant, mais bon, c'est pas très grave. Donc... T'as fait chier avec ce soleil à la con. J'ai envie de vous dire. J'ai le Roi Lion. Putain, on voit plus rien du tout là. Mortal Kombat, je suis vraiment désolé hein, parce que là je suis à côté de la fenêtre et voilà. Et normalement ça marche bien, mais là le soleil il tape vraiment fort. Et j'ai Indiana Jones. Voilà. Bon, là ils ont pas les notices, j'ai dit, mais c'est pas très grave. Donc on continue. Alors j'ai Pitfall, ça c'est bien comme jeu, j'ai bien adoré quand j'étais plus jeune. Alors Aero Flash, qui est pas mal aussi, c'est une sorte de shoot'em up ça. Ça c'est shoot'em up, très bien. Bien sûr. L'incontournable Jurassic Park. Bon, j'ai que celui-là, j'ai pas l'autre. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, vous allez me dire. Et moi aussi, je me dis ça déjà. Après, j'ai Vector Man. Hop, que je sais pas, il n'y a pas très longtemps. École de fin. Bon, là pareil, la boîte est un peu déglingosse. Donc, je vais peut-être la changer parce que j'ai des doubles. Donc, je vais peut-être changer les boîtes. Et l'autre, c'est Tailspin. Que j'ai eu très récemment. Voilà. Donc, on continue. Avec World of the Illusion, donc Mickey et Donald, très bon jeu que j'ai fini quand j'étais plus jeune. Le Castle of Illusion, que je n'avais pas, que je pensais que j'avais et que j'ai en fait, que je viens d'acquérir. Je pensais que je l'avais en loose, mais non, je l'avais pas. Spider-Man versus X-Men, bon, ça, c'est pareil que l'autre, c'est pas terrible. J'ai le Wonder Boy 3. Quoi, c'est Monster Land Wonder Boy 3 plutôt. Parce qu'il y a Wonder Boy 3 tout simple et Wonder Boy 3. Il y a deux Wonder Boy 3, je crois. Donc voilà. Donc j'ai Eswar Gym 1. Bon, j'avais commandé le 2 sur le net, mais bon, le vendeur m'a fait faux pas et je ne l'ai pas eu. Donc j'aurai pas le Eswar Gym 2. Donc c'est con. J'ai Ginyu qui est vraiment un super shoot'em up. J'ai Flashback. Très bon jeu. Micro Machine Military. Et j'ai le Micro Machine de Turbo Tournament. Et j'avais dit, hein, j'ai pas fini. Vous voyez déjà qu'il y a déjà pas mal de piles devant vous. Quoi, devant moi surtout. Donc hop. Et hop. Donc j'ai Virtua Racing. Twin Hawk. Putain, soleil il tape, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai Aleski de une Enchanted Castle. Chaque fou, ça c'est nul à chier, chaque fou. Bien sûr, j'ai le Data au Tibet. Voilà. J'ai The Terminator. Un jeu incontournable, Afterburner 2, ça c'est une série incontournable de la console. Et j'ai Andre Agassi Tennis. Bon, le soleil tape vraiment fort. Putain, sérieux.
Et vous voyez la chute en direct. C'est cool. C'est pas grave, c'est que des boîtes en plastique. Ça, c'est pas très grave. Donc, on continue. Donc, Paperboy. On va mettre là, du coup. Donc, le Mega Game 1. Donc, Rogue prend Monaco GP 1, Wimbledon et Ultimate Soccer. Un très bon jeu, Comic Zone. IndyCar. Newman As IndyCar. Voilà. Double truc double Talim s'aventure et là c'est Decap attaque. Donc hop, moi je pense qu'on va faire une coupure puis on se reprendra juste après. Bon allez, on est reparti pour la deuxième partie, donc je vais vous faire voir les jeux en loose, hein, parce que j'étais du coup, tant que je fais la mise en place de ma vidéo sur mon PC, je vais vous faire voir mes trucs en loose. Donc il y a l'adaptateur pour les jeux Jap, mais bon j'ai pas de jeux Jap, donc ça c'est pas grave. Bon là ils sont un peu crados, j'ai envie de vous dire, donc c'est Sonic Spinball, mais vraiment là ils sont en état crados, hein, les jeux en loose que j'ai de toute façon. Donc là c'est le Mega Game 6, donc il reprend pas mal de jeux que j'ai, bon je conserve, hein, voilà. Donc après j'ai un Wonder Boy in the Monster World, voilà. Et dernier, c'est encore un Mega Game 6, mais bon c'est pas les mêmes jeux dedans que l'autre, donc c'est pour ça que je conserve les deux. Donc voilà, ça c'était pour mes parties en loose. Donc j'ai aussi oublié de vous faire voir bien sûr mon action replay, donc ça se considère pas comme un jeu bien sûr, mais bon voilà. Donc maintenant on est reparti pour la suite de mes jeux en boîte, donc qui a Bob. Voilà, avec une méga boss, elle est vraiment grosse celle-là. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo à chaud de la dernière fois. F1, tout classique. Un jeu de F1, comme le nom l'indique. Et j'ai Winter Olympic, donc qui est sur les Jeux Olympiques de Lillehammer, 94. Donc on continue. Donc le seul jeu où j'ai pas vraiment la jaquette, que j'ai fait une photocopie en n'importe nawak, donc c'est le Spider-Man. Que j'avais fini quand j'étais plus jeune bien sûr. Bon, il n'y a pas la notice non plus, mais c'est pas très grave. Le Terminator 2, donc ça c'est le Terminator en mode FPS, parce qu'il y a aussi un Terminator 2 je crois en mode aventure. Donc après j'ai un Astérix, donc Astérix, voilà, un The Great Rescue. Alors j'ai The Page Master, Light Crusade, j'ai voulu baisser la persienne et en fait je vois que ça change rien, donc c'est cool. The Light Crusade, voilà, ça c'est une sorte de RPG, hein, aventure RPG. Hop. Donc il y a Spirou. Toum, toutou, toum, toutou, toum. Je fais tout le temps Sport Aladdin, voilà. Eternal Champion et Urban Strike. Bon, c'est le seul urbain que j'ai, c'est le seul jeu strike que j'ai sur cette console, je crois. Mais normalement je crois quoi. Donc on continue avec Strider 1, j'ai pas le 2. Splatterhouse 2, ça c'est un très bon jeu Splatterhouse. Le Art of Fighting. Jering Star. Alien Storm. Ah, touche bien toi à la fin. Hop. Par contre, pour mettre les jeux, j'aurais dû les mettre autrement, mais ça c'est pas très grave. Pardon. Donc, j'ai Quackshot. Donc ça c'est un très bon jeu. Il est complet celui-là. Attendez, je... Ah bah ouais, bah mon Quackshot il est complet. Je disais dans la dernière vidéo qu'il était pas complet le mien. Bah si, celui-là il est complet, je suis con. J'ai Quackshot complet, mais c'est pas grave. Donc après j'ai le Street of Rage 1. Le Street of Rage 2 et le Street of Rage 3. Dans la même continuité, j'ai le Double Dragon 3. Encore un pareil, même jeu, j'ai Tortue Ninja, le Hyper Storm Hein et Virtual Bart. Bon, on va arriver sur la dernière pile. Bon, les bêtes ont fini, hein, vous en faites pas. Donc voilà, je vais prendre celui-là aussi. C'est donc. Kid Caméléon, Sonic 1,
C'est le seul Sonic que j'ai pas la notice. Parce que j'ai aussi Sonic 2. Le Sonic 3, bah, bien sûr, hein, qui est vraiment très beau. Tous les Sonic, je les ai finis quand j'étais plus jeune. Et le Sonic & Knuckles en boîte. Par contre, j'ai pas la boîte à l'intérieur, mais j'en ai créé une, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour les Sonic. Hop, on va récupérer le reste. Ah, j'ai oublié de vous faire avoir en Sonic. J'ai le Sonic Compilation qui reprend Sonic 1, Sonic 2 et Robotnik Beat Meat Machine que je n'ai pas. C'est là qu'on se dit, même si on n'a pas le jeu, c'est bien d'avoir les collections. Au moins comme ça, on peut se permettre d'avoir le jeu quand même. Au cas où, si on n'arrive pas à trouver la version boîte. Donc, j'ai Shadow of the Beast 2, j'ai pas le 1. J'ai le premier Fatal Fury. J'ai The Simpsons New Nightmare. J'ai Alicia Dragoon. Ah ouais, quand même. Donc, j'ai le Golden Axe 1. C'est le seul que j'ai. J'ai le Michael Jackson Moonwalker, bien sûr. Ça, je l'ai sur les deux supports, mais bon, c'est le seul que j'ai en boîte. Sur Master System, je l'ai pas en boîte. Bien sûr, j'ai le DBZ de l'Appel du Destin qui est magnifique. Bon, il est moins bon que le 2 sur Super NES, parce que je crois que sur Super NES, c'est le 2 le meilleur des DBS sur 16 bits. Donc, mais c'est déjà un bon jeu, j'ai envie de vous dire. Et on va finir par les deux Shinobi. Donc, The Revenge of Shinobi, bien sûr. Et j'ai le Shinobi 3, Return of the Ninja Masters. Donc voilà. Donc c'était ma présentation de mes jeux Mega Drive. Bon, je mettrai le nombre de jeux dans le titre, comme ça vous aurez le nombre de jeux que j'ai. J'ai vraiment pas mal. En plus, il n'y a pas très longtemps, j'en ai récupéré presque une quinzaine en boîte. Donc plus d'une vingtaine, mais bon, j'ai donné mes doubles à mon frère. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo que vous allez voir sûrement avant celle-là. On sait jamais, je sais pas, je verrai bien l'ordre que je les mettrai. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas mal de jeux Mega Drive. Je suis bien content parce que c'est une console que j'aime bien en plus, donc je suis bien content. Puis en plus, au moins les boîtes plastiques, c'est des boîtes qui se pétaient pas comme sur Super Nintendo. C'est pour ça que sur Super Nintendo, j'ai moins de jeux en boîte parce que voilà, les gens ils prennent. C'est plus facile de conserver des boîtes plastiques que des boîtes en carton. Et j'ai envie de vous dire que dans le temps, c'était ça. Donc voilà, donc. Je suis très content parce que ces jeux-là, ils sont super bons en plus. Bon, j'ai des mauvais, des pourris et des bons, hein, mais bon, j'ai quand même des très bons titres. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo collection vous aura plu. Hein. Je crois que ce niveau Mega Drive, j'ai bien récupéré hein, en pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'au début, j'avais pas beaucoup de jeux et là, j'en ai vraiment récupéré pas mal. On va dire que j'ai fait des bonnes affaires pendant l'année dernière et là, au début de l'année, j'ai quand même trouvé aussi pas mal de jeux. Donc, je suis assez content. Encore une bonne collection Mega Drive. Je vais être pas loin des 100 jeux, je pense. Je vais pas vraiment être loin des 100 jeux. En boîte, je parle. Bah bon. De toute façon, vous le verrez dans la description. Ou dans le titre. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette collection Mega Drive vous aura plu. Donc je vous remercie bien sûr tout le monde, mes abonnés et autres, d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'il y en a qui sont là que pour mes vidéos collection et mes achats, et d'autres qui sont là que pour mes gameplays. Donc bien souvent ceux qui regardent que mes gameplays ne regarderont pas mes vidéos collection. Mais c'est pas très grave, je m'en fous un peu. De toute façon, je fais pas ça pour les vues, pour personne. Je fais ça parce que j'ai envie de vous faire voir ma collection. Et comme j'ai pas de pièces spéciales, parce que voilà quoi, j'ai pas encore les moyens de me faire une pièce, mais bon, quand je déménagerai déjà, ça sera déjà pas mal. Là, je pourrais peut-être commencer à faire une pièce, mais là pour l'instant, je peux pas encore. Donc, c'est pour ça que tout est engrangé dans ma chambre pour l'instant. Mais je pense que quand j'aurai mon chez moi à moi, je pourrais faire une pièce spéciale ou mettre tout dans mon salon bien rangé comme il faut. Mais c'est vrai que pour l'instant, je peux pas encore, mais quand je pourrai, je le ferai. Voilà, donc j'espère que, je dis ça fait plusieurs fois que je dis j'espère que je vais vous lâcher, puis je vous reprends juste derrière, donc voilà. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est la bonne, donc je vous dis salut et à la prochaine, merci bien sûr à mes plus de 200 abonnés, j'ai pas dit la dernière fois, mais je vous remercie vraiment de me suivre sur ma chaîne, et voilà. Tchuss!